Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mise à jour de mes tierlists Pokémon Masters, juste avant le 4e anniversaire du jeu, où nous allons placer les différents duos étant sortis ou ayant obtenu une amélioration de leur plateau pour le mois d'août 2023. Comme toujours, les tierlists que vous allez voir dans cette vidéo découlent surtout de mon avis personnel et subjectif, qui lui-même découle de mon expérience sur le jeu ainsi que de mon style de jeu. Je n'estime pas avoir la vérité universelle ni la science infuse sur le jeu, je ne peux pas avoir raison sur tous les duos qu'il peut y avoir dans le jeu, mais imaginons par exemple, je place un duo dans le rang S, mais pour vous ce duo mérite d'aller dans le tier S+, ou S-, eh bien j'estime qu'à un tier près, on est à peu près d'accord sur la puissance relative de ce duo, et puis auquel cas, on va dire qu'on reste dans la catégorie de tier S pour ce dit duo. Aussi, avant de commencer, vous le savez comme toujours, mais les tier lists sont avant tout destinés aux personnes commençant le jeu ou recommençant le jeu, et qui souhaitent savoir quels sont les duos les plus intéressants à avoir dans leur composition. Si vous êtes un joueur habitué de Pokémon Master, je ne pense pas que vous ayez réellement besoin de mes différentes tierlists, mais dans tous les cas, ça me permet de me poser et de discuter des différents duos sortis avec vous, puis ensuite de les placer sur ma tierlist. Aussi, encore une fois, avant de commencer, mes tierlists ne sont pas des tierlists par rôle. Ce ne sont pas des tierlists attaquant, tacticien, soutien, puis ensuite on parlera aussi des deux nouveaux rôles. Mes tierlists se basent sur trois catégories. Tout d'abord, nous avons les DPA, les duos qui font des dégâts par action. On retrouvera principalement des duos attaquants que vous voyez juste ici, mais on pourra aussi et retrouver des duos ayant le rôle tacticien qui sont aussi spécialisés dans le fait d'occasionner des dégâts aux adversaires. Nous avons ensuite les duos hybrides qui sont des duos qui vont aller au-delà de leur rôle de base, comme par exemple on peut avoir Millie et Nostanfer qui est un duo attaquant mais qui peut booster ses alliés, empoisonner les adversaires, réduire le compteur, debuff les adversaires, booster l'esquive des alliés. Bref, il fait énormément de choses. On a des duos qui par exemple ont le rôle soutien mais qui peuvent faire des dégâts. On a des duos qui ont le rôle tacticien qui peuvent debuff les adversaires, soigner les alliés, booster les alliés ainsi que taper. Bref, on a pas mal de possibilités et c'est des duos qu'on peut pas vraiment mettre en duo utilitaire ou en duo DPA tant ils font plusieurs choses à la fois. Et nous avons aussi les duos utilitaires où là par exemple on retrouvera énormément de duos ayant le rôle soutien. Ce sont des duos qui ont vraiment un aspect utilitaire sur le jeu, mais on pourra aussi retrouver des duos ayant le rôle tacticien comme par exemple Pierre Rochard et Mastouf qui est un tacticien mais qui va plus servir de soutien à l'équipe avec les différents boosts qu'il va donner. Et nous avons enfin la dernière catégorie qui n'est pas vraiment une tier list mais une classification. La classification des 6 étoiles, c'est plus intéressant à faire dans le jeu. Donc on va parler des EX offerts par les événements, les soutiens. On va aussi aborder le sujet des nouveaux rôles. On a aussi les tacticiens et les attaquants. Et pour les tacticiens et les attaquants, je vais me baser sur un Google Doc qui répertorie les différents multiplicateurs au niveau de la capacité duo pour donner à peu près une marge au niveau des dégâts que peut faire la capacité duo des différents duos en fonction de leurs multiplicateurs qu'ils peuvent avoir. Même si ça ne prend pas en compte les statistiques et la composition des différents duos, ça permet au moins de se faire une idée de la puissance d'une capacité duo quand elle est totalement maxée au niveau de ses multiplicateurs. Donc c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de l'introduction. Dans tous les cas, c'est la même introduction dans toutes les vidéos de tierlist, donc à force je me répète un petit peu et on va juste rusher au niveau de l'introduction. Donc on va commencer directement la vidéo tierlist par la mise à jour de la tierlist DPA majoritairement composée de duos ayant le rôle attaquant. Et avant de commencer avec les nouveaux duos que l'on doit placer, il y a quelque chose que j'aimerais rectifier au niveau de cette tierlist. Récemment, je joue pas mal Ezin et Suicune qui n'est que 3/5, mais plus je le joue, plus je me dis que ce duo est tout simplement incroyable au niveau de ses dégâts, au niveau de son setup, au niveau de tout ce qu'il apporte. L'œil aiguisé, la récupération de segments de jauge capacité à chaque fois qu'on va toucher un adversaire, et puis ensuite avec les cases duo festival, on a aussi la possibilité de ligoter tous les adversaires, de debuff les stats offensives. On a un prochain garde sur la première capacité duo. Bref, le duo est vraiment incroyable. Alors, vous le savez, je l'avais mis en S+, mais après avoir pas mal réfléchi sur le duo et vraiment après l'avoir pas mal joué, bah je trouve qu'en fait c'est bien, il est au-dessus du S+. Je trouve vraiment qu'il met une branlée à tous les duos qu'il y a dans son tier. Et puis bah personnellement je trouve que Ezin et Suicune ça mérite d'aller un tier au-dessus. Après bien sûr c'est mon avis, mais je trouve qu'il est déjà meilleur que tout le tier qu'il y a en S+. Et même en SS je trouve qu'il met quand même une belle mandale à certains duos qu'il peut y avoir juste ici. Mais après dans tous les cas au niveau du tier SS et S+, on a pas mal de duos qui n'ont toujours pas de case duo festival, comme Oupop, Terra, Aeropteryx, Dialga aussi. Et pareil, Red Dracofeu n'a toujours pas de case duo festival. Pareil pour Nidoking et Marshadow. Peut-être que dans quelques mois ces duos obtiendront des cases duo festival et Ezin baissera
propre. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est légitime de monter Daran, Ezin et Sukun, car ce duo est tout simplement incroyable. Même si en 1 sur 5, ça n'a pas l'air exceptionnel, dès qu'on commence à avoir des doublons sur le duo, avec tout ce qu'il fait de base plus ses multiplicateurs, c'est tout simplement une dinguerie. Et pour moi, ben, je trouve que je l'ai sous-estimé au niveau de son placement. Passons maintenant au nouveau duo de ce mois-ci et commençons directement par Gloria et Pyrobut. Alors Gloria et Pyrobut, vous le savez, c'est un duo tout simplement incroyable. Même si c'est un duo ayant le rôle tacticien, chose que je ne comprends pas réellement, à part le fait qu'elle va debuff de deux rangs la résilience, feu, combat ou vol de l'adversaire en faisant son Dynamax, le duo est clairement designé pour taper comme un gros bourrin. Donc personnellement, j'ai préféré la mettre dans la tier list DPA. Et franchement, que ce soit sur le type feu, le type vol, le type combat, chaque type après le Dynamax a des avantages. Avec le type feu, on va pouvoir réduire de 2 segments de jauge capacité la consommation des attaques. Et en plus de ça, on a un multiplicateur de 50% sur la capacité duo. Avec le type vol, on a une pénétration. Et dès qu'on fait rebond, on va réduire directement de 3 actions le compteur de la capacité duo. Donc avec 3 rebonds, on peut directement arriver à notre prochaine capacité duo, c'est vraiment très fort. Et avec le type combat, le duo a œil aiguisé, donc il ne va jamais rater ses attaques. Et en plus de ça, il va tout le temps récupérer des points de vie. Et ça, c'est qu'avec le kit de base. Derrière, il a un bon setup, il tape quand même bien sur les 3 types, il a des bonnes statistiques. Et avec les plateaux du duo, eh bien en 2 sur 5, il va quand même pouvoir augmenter son esquive à chaque fois qu'il va esquiver des statistiques adverses. Et en 3 sur 5, à chaque fois qu'il va esquiver, il va obtenir des prochains boosts capacité physique, augmentant sa puissance. Et puis derrière, il peut booster la vitesse des alliés, booster son Dynamax, booster sa capacité duo, baisser la défense des adversaires en 5 sur 5. Bref, le duo fait quand même énormément de choses. Il est excellent, que ce soit sur le type feu, le type combat, le type vol, et il est vraiment juste incroyable. Il y a juste à voir le nombre de batailles légendaires qu'il solo. Sur toutes les batailles légendaires qu'il solo, il solo 12 batailles légendaires sur 13. La seule bataille légendaire qu'il ne peut pas solo, c'est la bataille légendaire de Sulfura, parce qu'il a beaucoup de bonus sous le soleil et Gloria ne peut pas justement changer le soleil. Donc au niveau de tout ce que le duo fait, il est puissant dans chaque type et il fait vraiment des bons gros dégâts. Et bien pour moi, très clairement, sans aucune hésitation, pour moi ça part en SSS. Le duo est un énorme DPA sur 3 types qui fait énormément de dégâts, que ce soit sur ses attaques, sur sa capacité duo et surtout sur son Dynamax qui va baisser de 2 rangs la résilience de type de l'adversaire, alors que ce soit le type feu, le type combat, le type vol. Et quand on baisse de 2 rangs la résilience de type de l'adversaire, nos prochains dégâts augmentent en puissance de 50%, que ce soit sur nos attaques ou notre capacité duo ou aussi sur le Dynamax si on s'amuse à faire le Dynamax avec un autre duo, par exemple sur le type feu, vol ou combat. Bref, le duo est tout simplement incroyable, je me répète encore, mais pour moi il a totalement mérité son tier SSS. Passons ensuite à Astera et Cryptero, le premier scout depuis janvier 2023, j'ai envie de dire. Et le duo, c'est tout simplement une machine à self-setup. Il se setup bien ses statistiques spéciales avec Plénitude et il se setup bien le reste de ses statistiques avec Pouvoir Antique, sachant que le duo, en arrivant en combat, augmente de 6 rangs sa statistique d'esquive et avec sa compétence dresseur, il se met à plus 300 taux de critique. Le duo, à lui tout seul, se booste toutes les statistiques possibles. La seule statistique qu'il ne peut pas se setup lui-même, c'est la précision. Et la précision, il n'en a pas réellement besoin de la setup, car il a de base 100 de précision sur force ajoutée. Et j'ai bien parlé de force ajoutée, l'attaque qui augmente en puissance en fonction de toutes les statistiques augmentées de Cryptero. Et vu qu'il s'est setup très rapidement énormément de statistiques, et force ajoutée va faire pas mal de dégâts. Et il y a aussi sa capacité duo qui a de base un multiplicateur qui devient beaucoup plus intéressant en fonction du nombre de statistiques qui sont augmentées sur Cryptero. Et ça, c'était juste avec le kit de base, avec les doublons. Le duo peut faciliter encore plus son setup sur Plénitude et sur Pouvoir Antique. Il peut obtenir un prochain super efficace. Et ensuite, c'est tout simplement des multiplicateurs sur ses attaques et sur sa capacité duo, tout en ayant des cases sur les fiasco. Et en fait, le duo, il a tout de base, il peut se setup tout, donc en soi, il a pas vraiment besoin de quelconque duo allié, à part juste si on a envie de s'amuser au niveau des gros dégâts en posant le champ psychique ou en donnant des prochains boosts capacités spéciaux. Et en soi, ça va limite être la seule limite du personnage, c'est que oui, il fait tout seul, mais avec qui on joue finalement? Parce que quand on voit Cryptero, comme je l'ai dit, à part pour poser le champ psychique ou lui donner des prochains boosts capacités spéciaux pour taper encore plus fort sur force ajoutée, il a besoin de rien, à part si on lui met quelques soutiens à côté de lui pour faciliter le setup avec Pouvoir Antique, car Pouvoir Antique va quand même baser son setup sur la chance. Mais à part ça, le duo a pas vraiment besoin d'allier outre mesure, donc ce sera un petit peu la seule limite du personnage, même si on est bien d'accord qu'en solo, il est tout simplement incroyable de base. Mais quand on cherche vraiment à faire une grosse composition, Cryptero, on va avoir le cul entre deux chaises en se disant je mets qui? Un champ psychique, prochain boost capacité spéciaux, et puis de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre. Donc pour moi, Astera et Cryptero, c'est quand même un très bon duo, un excellent scout. En vrai, si on attend autant de temps pour avoir des scouts mais qu'ils sont d'une aussi bonne qualité,
Ben, peut-être que l'attente en vaut le coup, même si le duo sort un petit peu tard hein, pour l'avoir dans les bons duos appel 5 étoiles garanties. Eh bien, il faudra attendre le 5e anniversaire. Donc, pour moi, Astera et Cryptero, ben, je trouve que ça mérite un tier S parce que ben, même si elle se setup très facilement dans pas mal de statistiques, eh bien, au niveau des compositions, eh bien, elle sera assez limitée car il n'a vraiment besoin de personne. Après, ça reste mon avis. Puis, au niveau des dégâts, eh bien, faut pas oublier un truc, c'est que force ajoutée et sa capacité duo vont être limitées au niveau des multiplicateurs augmentés. À un moment, vos augmentations de multiplicateurs de puissance vont s'arrêter car vous aurez augmenté trop de statistiques, donc ça limite un petit peu aussi la puissance du personnage, mais dans tous les cas ça reste tout de même excellent au niveau de sa puissance. Et puis je trouve que les duos du dessus sont plus intéressants, sachant que eux ils peuvent s'intégrer dans pas mal de compositions. Et puis enfin nous avons les nouvelles cases de plateau Darty et Manternel. Alors j'en avais parlé hier dans sa vidéo analyse, mais en soi qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient des cases d'attaque spéciale plus 20, il obtient aussi des cases de points de vie. C'était aussi un petit peu ce qui manquait au duo, parce qu'au niveau de la vitesse il en avait pas réellement besoin au niveau des ups de vitesse. En 2 sur 5 on a la plein de forme régénération qui sert pas vraiment à part en début de combat si Manternel prend des dégâts. Justement on a l'ultra efficace 3 qui va se limiter à la faiblesse insecte de l'adversaire. Et puis en 3 sur 5 on a du setup en critique sur la compétence dresseur, et aussi eh bien il a un multiplicateur en fonction de ses hausses d'attaque spéciale pour ses attaques. Donc en soi c'est ok. Bon, de base il était dans les tiers B, et puis bon en soi c'est pas non plus un up exceptionnel qu'il a obtenu, mais ça reste déjà un petit peu plus intéressant que le up d'un Typhlosion qu'on aurait pu y avoir il y a quelques mois. Donc Arty et Manternel, le up est sympa, ça reste ok, mais dans tous les cas bon c'est pas non plus ça qui va propulser le duo dans les tiers. En tout cas ça reste mon point de vue. Mais en tout cas si vous avez vraiment pas grand chose au niveau des duos de type insecte sur le plan spécial, eh bien oui Manternel reste quand même une valeur très correcte, sachant qu'il n'aura juste besoin que de debuff la stat de défense spéciale de l'adversaire et de poser le soleil pour votre équipe pour ensuite faire des bons dégâts avec Arty et Manternel. Donc pour moi bah, tout simplement ça va partir en tiers B+. Voilà pour l'instant, eh bien c'est le duo scout de type insecte le plus intéressant au niveau des attaquants bien évidemment. Et puis nous en avons fini avec la mise à jour de la tier list des duos DPA dégâts par action. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vis-à-vis du petit up de Suicune que j'ai fait en dernière minute, de la place de Gloria Pyrobut, Astera et Cryptero, et aussi Darty et Manternel. Les commentaires sont ouverts et n'hésitez pas à me donner vos avis. Maintenant qu'on a vu la tier list des DPA, on peut passer à la tier list des duos hybrides. Nous voici à la tier list des duos hybrides. Alors par rapport à la dernière mise à jour de la tier list, j'ai décidé de remonter quand même quelques duos, à savoir Millet et Nostanfer et Nabil Néomètre et Elector de Galar. Car même si je ne les ai que 1 sur 5, je les ai rejoués récemment. Et il faut quand même dire que oui, c'est quand même d'excellents duos. Surtout le petit combo Millet et Nostanfer et Liv et Miasmax est quand même très intéressant. Et puis Nabil et Néomètre et Elector, bien, même si je ne l'ai que 1 sur 5, ça reste quand même un banger en termes de dégâts et de debuff, ainsi que la pose de la zone combat. Donc voilà, je trouve quand même que ça mérite quand même de monter à d'un tier, de rester en SSS. Passons ensuite aux duos qui sont sortis pour ce mois d'août au niveau des duos hybrides. Commençons par Tarak alternatif avec sa tenue de la tour de combat d'épée et bouclier avec le petit Lensaurien. Alors est-ce que j'ai besoin de parler longtemps de Tarak et Lensaurien? Je ne pense pas. Le duo a de base une excellente vitesse, il va pouvoir brûler les adversaires avec feu follet, il va pouvoir aussi taper avec Draco Flèche, mais surtout avec Abattage S il va très facilement débuff la stat d'attaque, de vitesse et de défense de tous les adversaires, sachant que en touchant un adversaire avec une de ses attaques, il va pouvoir baisser à nouveau une statistique aléatoire. Et si vous l'avez 3 sur 5, si l'adversaire que vous allez toucher est brûlé, vous allez à nouveau baisser une autre statistique. Et en 4 sur 5, dès que vous allez brûler un adversaire, vous allez pouvoir brûler tous les adversaires. Donc tout simplement avec Abattage S, si vous touchez un adversaire qui est brûlé à partir du 3 sur 5, eh bien vous allez pouvoir baisser l'attaque, la défense, la vitesse, une statistique du kit de base et une statistique du plateau en 3 sur 5. Donc 5 statistiques en une attaque sur 3 adversaires, ça reste quand même très intéressant, sachant que les statistiques baissées aléatoirement peuvent aussi être l'attaque, la défense et la vitesse. Donc c'est quand même un debuffer extrêmement intéressant, et ce dès le 1 sur 5. En plus de ça il possède un Dynamax, à savoir Dracomax ainsi que Gardomax pour donner un prochain garde à lui-même ou un de ses alliés. Il possède aussi pénétration pour passer au travers des talents passifs des adversaires, réduisant les dégâts, empêchant les coups critiques et aussi donnant l'effet prêt à encaisser aux adversaires. Et il possède le talent immunité baisse stat qui empêche Tarakai et Lensaurien de subir des pertes de statistiques. Et pour le reste des cases au niveau de son plateau, eh bien on a des multiplicateurs sur sa capacité duo, sur ses attaques, on a aussi du debuff de défense sur Draco Flash, et aussi on peut donner une consommation 0 à chaque fois que l'on va faire Abattage S pour ensuite taper gratuitement avec Draco Flash, sachant que le duo a de base une excellente vitesse. Donc eh bien Tarak et Lensaurien, pour moi bah, ça va tout simplement partir en tier SS. On a ici un excellent debuffer sur pas mal de statistiques, et même au-delà de ça il fait d'excellents dégâts sur ses attaques, sur sa capacité duo et sur
sur son Dynamax. Passons ensuite au duo du salon des dresseurs, Kalem et Fennec. Alors même si Kalem et Fennec est un duo attaquant qui va pouvoir aussi avoir des bons multiplicateurs sur la faiblesse de l'adversaire, j'ai préféré le passer en duo hybride parce que le duo peut brûler et rendre confus les adversaires attaqués. Et en plus de ça, entre sur 5, il a aussi une case qui lui permet de donner un support de jauge capacité aux alliés quand il va toucher un adversaire qui subit une confusion. Quand il va attaquer un adversaire qui a la confusion, il aura 50% de chance de rendre 2 segments de la jauge capacité à l'équipe. Donc je trouve que c'est un duo qui va brûler, qui va faire des dégâts, qui va rendre confus, qui va donner un support de jauge capacité à ses alliés. Donc je trouve qu'il va faire autre chose que juste taper les adversaires. Et pour moi, je trouve que Kalem et Fennec, eh bien c'est pas déconnant de le mettre dans une charliste hybride. Et en plus de ça, il a des bons multiplicateurs sur la brûlure, sur ses attaques ou sur sa capacité duo. Et étant un duo de salon des dresseurs, on va pas non plus s'attendre à un duo exceptionnel. Donc pour moi, Kalem et Fennec, au vu de tout ce qu'il peut faire, je trouve que ça mérite un petit tiers B-, voilà, à côté de Passe Rouge. Même si les duos font deux choses totalement différentes, je trouve que Kalem et Fennec, il peut très bien servir, comme par exemple dans la bataille légendaire de Kriev, où il faut appliquer un tourment et une altération de statut à Kriev pour lui infliger des dégâts. Dans cette bataille légendaire qui justement est à l'affiche de cette aventure légendaire, et bien Kalem et Fennec peut être vraiment très utile pour vous assurer une victoire. Passons ensuite au deuxième duo scout de ce mois d'août, à savoir Dracena et Cravarage, qui pourraient aussi aller dans la tierlist DPA, mais j'ai décidé de la mettre dans la tierlist hybride car le duo, même s'il peut faire des bons dégâts sur les faiblesses, et bien il peut donner une immunité baisse attaque spéciale à toute l'équipe, très sympa pour Draco Meteor. Il peut empoisonner les adversaires, les debuffs en 3 sur 5, et aussi quand il va taper sur la faiblesse de l'adversaire, que ce soit dragon ou poison, il peut avoir des consommations 0, et ça va être très bien pour donner indirectement un support de jauge capacité à l'équipe, car la jauge capacité qu'il n'utilisera pas pourrait être utilisée par les autres duos de son équipe. Donc j'ai préféré le laisser en tier list hybride, mais malgré tout, le duo, on va pas se mentir, sur la faiblesse, ça va bien taper sur Draco Meteor et sur Bomberk, et avec des doublons, il possédera des multiplicateurs sur ses attaques et sa capacité duo en fonction de l'empoisonnement de l'adversaire. Mais le souci que j'ai avec ce personnage, c'est que si on ne tape pas sur la faiblesse, on va perdre deux talents très intéressants sur le personnage. Déjà l'ultra efficace 5 qui va augmenter de 50% ses dégâts s'il tape sur la faiblesse dragon ou poison de l'adversaire, et aussi le super efficace consommation 0, sachant que de base les attaques de Cravarège vont coûter quand même 3 segments de jauge capacité, que ce soit pour Draco Meteor ou pour Bomberk. Et même si de base il a une vitesse correcte, il ne peut pas se setup lui-même sa vitesse, et donc dès le moment où on va s'amuser à jouer off type avec le duo, eh bien le fait de ne pas avoir la consommation 0, eh bien ça peut freiner la vitesse de l'équipe. Ou alors faut bien sûr jouer dans la composition des duos pouvant booster la vitesse ou pouvant donner des accélérations de la jauge capacité. Mais en fait, ce qui m'embête avec le duo, c'est comme j'ai dit, c'est que vu qu'il est limité un petit peu par le fait de devoir taper sur les faiblesses pour avoir tous ses bonus, eh bien ça veut dire qu'il est bon limite que sur 2 faiblesses des 18 types du jeu. Et donc au final, au vu de ce que peut proposer le duo, eh bien au vu des limitations qu'il peut avoir avec la faiblesse, eh bien je trouve pas que ça va non plus être un duo incroyable. Donc eh bien Dracena et Cravarège, pour moi ça va partir en tier B+. Voilà, ça reste sympa, ça peut être très intéressant dès le moment où on va taper sur la faiblesse, mais dès le moment où on ne va pas taper sur la faiblesse dragon ou poison de l'adversaire, on aura quand même la possibilité d'empêcher les debuffs d'attaque spéciale de nos alliés, on pourra empoisonner les adversaires et aussi les debuffs, mais au-delà de ça, on aura quand même des soucis de jauge capacité, sauf si bien sûr on adapte au niveau de la composition. C'est tout au niveau de Dracena et Cravarèche. Passons ensuite au premier duo de la région de Paldea, et aussi le premier duo ayant le rôle accélérateur sur le jeu, Menzi et Pomarmotte. Alors que dire sur ce duo? Bonne statistique, bonne vitesse, ça tape très bien, même moins sur 5, ça accélère très bien le compteur de la capacité duo avec sa compétence dresseur, sachant que ça booste aussi les alliés. En plus de ça, dès qu'on a le 2 sur 5, on a des récupés PC qui peut très facilement accélérer le compteur de la capacité duo. En fonction de si on le met 6 étoilex, avec son effet 6 étoilex étant un duo accélérateur, on peut réduire de 3 actions le compteur de la capacité duo avec sa première capacité duo. Si on lui met le talent surprise, première capacité duo, compteur baisse 1, on va réduire de 4 actions. Et si derrière on proc aussi les récupés PC de la compétence dresseur, on peut très facilement accélérer pas mal de fois le compteur de la capacité duo et enchaîner très rapidement pas mal de fois les capacités duo de notre composition. Donc très rapidement en début de combat, voire même pas dès le moment où l'adversaire sera par exemple à 2 actions restantes ou 3 actions restantes, eh bien on aura peut-être limite fait déjà 2 capacités duo avec nos alliés, et donc on aura déjà notre DPA qui par exemple sera à 3 de détermination, car on aura fait notre première capacité duo avec Menzi, la seconde avec notre soutien 6 étoiles, et après le reste notre DPA fera
les gros dégâts. Alors ça c'était surtout au niveau de l'utilité du rôle accélérateur et de toutes les accélérations compteurs que le duo fait, mais même au-delà de ça, avec ses différentes cases de plateau, bien sûr le duo fait des bons dégâts. Il a quand même 90% de puissance supplémentaire sur point éclair dès le moment où il aura sa statistique de vitesse qui sera augmentée. Son buddy move aussi fait énormément de dégâts. Alors il faut savoir un truc, c'est que son buddy move a une ligne de multiplicateur qui dit que plus la vitesse de Menzi est augmentée et plus l'attaque est puissante. Alors généralement quand une attaque a un vitesse up puissance up, le multiplicateur n'est environ que de 30%. Sauf que pour Menzi et pour Marmotte, au niveau des multiplicateurs qu'on a vu, eh bien la puissance augmentée n'est pas juste de 30%. C'est un multiplicateur de x4. Donc au niveau des gros dégâts de Menzi, ça se pose quand même là. Et en plus de ça, avec des doublons, eh bien ça débuffe la vitesse de l'adversaire. Aussi ça booste l'esquive des alliés. Et aussi en 5 sur 5, ça peut débuffer les deux défenses physiques et spéciales de l'adversaire attaqué dès le moment où il sera paralysé. Et en plus de ça, il se setup en une action avec son vitesse EX à plus 6 en vitesse. Il se setup très rapidement sa stat d'attaque physique et de coup critique avec un talent. D'ailleurs c'est le même talent que Jiancy et Jiantea look ultime. Et aussi il donne une consommation 0 à ses alliés avec son buddy move, il donne un pré-encaissé et une régénération des points de vie avec sa compétence racer, et aussi il a 40% de chance d'apeurer un adversaire attaqué dès le 3 sur 5. Et puis derrière on a des multiplicateurs sur la capacité duo, sur ses attaques, il peut se donner des prochains boosts capacité physique. Bref, le duo est juste excellent. Mais quand même on va pas aussi oublier quelque chose, c'est que dans les duos hybrides, en fait dès le moment où on arrive dans le tier S, limite tous les duos qu'on voit juste ici sont excellents. Donc eh bien je trouve que Menzi est vraiment un duo incroyable dès le 1 sur 5, même si je conseillerais d'avoir au moins le 2 sur 5 pour avoir le récup PC sur la compétence dresseur et spammer les réductions de compteur de la capacité duo. Mais vraiment le duo est juste incroyable, et pour moi Menzi et pour Marmotte, sous réserve bien sûr de changer plus tard, je trouve qu'un tiers S plus c'est très bien, mais ça pourrait aussi aller en SS tellement le duo est intéressant. En vrai ça dépend du gameplay, ça dépend de votre façon de jouer, parce que j'ai envie de dire, si vous êtes quelqu'un qui s'en branle des accélérations compteurs, du gameplay accélération compteur sur le jeu, bah pour vous peut-être que ce sera du S+, mais par exemple quelqu'un comme moi qui adore ce type de gameplay, bah j'aurais tendance quand même à la mettre en SS. Donc en vrai ben j'hésite quand même à la laisser. En vrai je vais la laisser en SS pour l'instant. De toute façon après les 4 ans du jeu arrivent, va y avoir des duos beaucoup plus intéressants, je pense, en tout cas je l'espère. Donc si ça se trouve Menzi va baisser 2 tiers, ou alors je réorganiserai ce tiers pour baisser quelques duos, on verra ce qui sort aux 4 ans. Mais vraiment Menzi pour Marmotte est vraiment un duo excellent qui showcase bien entre guillemets le rôle accélérateur et qui montre aussi la puissance de ce nouveau rôle. Et passons ensuite au dernier duo à placer sur la tierlist hybride, qui est aussi un duo offert pour la pré-célébration des 4 ans du jeu, et qui est le premier duo amenant le rôle régisseur sur le jeu. Le rôle régisseur est un rôle qui se base sur le fait de poser un champ, une météo ou une zone, et ce duo n'est autre que Victor et Spectreval. Alors j'espère juste que pour l'instant vous ne l'avez pas 6 étoilex, car pour l'avoir 6 étoilex il faut attendre au moins 10 jours de bonus de connexion pour avoir suffisamment de tickets duo 5 étoiles pour le passer 6 étoilex. J'espère juste que vous n'avez pas utilisé de duo ticket 5 étoiles universel pour le passer directement 6 étoilex. Mais le duo est de base vraiment très bon, il a des bonnes statistiques au niveau de l'attaque spéciale et au niveau de la vitesse. Ces mêmes statistiques qui sont boostées par la zone spectre qu'il va poser en début de combat et qu'il peut reposer aussi quand il sera 6 étoilex, car il aura déjà la zone spectre qui va augmenter de 50% les dégâts de ballon de sa capacité duo et de son dynamax spectromax. Et en plus de ça il va avoir un turbo zone spectre 3 qui va augmenter de 30% la vitesse de recharge de la jauge capacité quand la zone spectre est posée. Il tape bien sur le type spectre, il peut aussi taper sur le type sol et débuff la stat de vitesse, et il possède aussi buée noire qui va annuler les augmentations de statistiques des adversaires. Ça peut être vraiment très intéressant aussi au niveau du plateau du duo. Et eh bien on peut aussi faire un plateau sur la zone spectre où on va taper tout simplement sur le type spectre, on va avoir des multiplicateurs sur les statistiques des adversaires qui ne sont pas augmentés. On peut aussi se soigner sous la zone spectre, on va booster notre attaque balombre avec un pleine forme 1, on peut aussi augmenter la puissance de spectromax, et on peut aussi donner un effet utilitaire à Victor et Spectreval avec tir debout. On peut baisser la vitesse, on peut aussi rendre confus l'adversaire. On peut aussi donner un prochain garde à Victor et Spectreval quand il va faire par exemple un Dynamax, sachant qu'il peut aussi avoir garde au max de base, et donner un prochain garde à un autre allié de la composition. Et en entrant au combat, il peut aussi donner une résilience physique au côté allié en entrant au combat. Donc c'est vraiment très intéressant comme duo. En soi, c'est un bon poseur de zone, sachant que quand vous l'avez 6 étoilex, il va poser la zone juste avant de faire sa première capacité duo. Comme ça, il va pouvoir reposer la zone d'une manière prolongée de 50%, et sa capacité duo aura un multiplicateur supplémentaire au niveau de sa puissance, vu
vu que ça va booster le type spectre. Et d'ailleurs il me semble que le multiplicateur natif de la capacité duo de Victoria Spectreval s'active en fonction de si la zone spectre est posée ou non. Donc on peut très facilement avoir une très bonne capacité duo pour le peu que le duo soit 6 étoilex. Donc pour moi Victoria Spectreval, eh bien c'est un duo que à la limite on pourrait comparer avec Courtney et Camerut, même si je trouve Courtney et Camerut un petit peu plus intéressant. Je trouve que Victoria Spectreval, alors c'est un très bon duo offert à ce niveau là, c'est un duo qui showcase aussi très bien le rôle régisseur, mais pour moi je trouve que c'est un bon tier A. C'est pas non plus un duo extrêmement broken dans tous les cas, tier A ça reste quand même un très bon tier, sachant que à partir du tier S on a vraiment des duos excellentissimes. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un très bon duo, et surtout attendez d'avoir tous vos bonus de connexion avant de le passer 6 étoilex. Et puis c'est tout pour la mise à jour de cette tier list des duos hybrides, majoritairement composés de duos ayant le rôle tacticien, même si ça va devenir de moins en moins vrai dans le futur avec l'apparition des rôles accélérateurs et régisseurs. Alors les rôles accélérateurs et régisseurs, pour l'instant je les ai mis dans la tierlist hybride, mais aussi je me réserve le droit de créer une nouvelle tierlist dans le futur au cas où il y ait de plus en plus de duos accélérateurs et régisseurs dans le jeu et qui collent de moins en moins à ma définition du tier hybride dans mes différentes tierlists. Après pour l'instant ils sont très bien dans le tier hybride, on verra dans le futur s'il y aura besoin de créer une nouvelle tierlist. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur cette mise à jour de la tierlist hybride, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On peut maintenant passer à la mise à jour des duos utilitaires. Nous voici à la troisième tierlist de cette vidéo, la tierlist utilitaire majoritairement composée de duos ayant le rôle soutien, et j'ai fait quelques petites modifications vis-à-vis de la dernière mise à jour. J'ai décidé de descendre Clamiral vis-à-vis du up de Nabil et Zamazenta, et j'ai aussi un petit peu monté Barbara et Lampignon duo scout variété du mois précédent. Et aussi j'ai baissé d'un tiers Celestial Spécial et Fampi, car au niveau des résistances physiques, eh bien on a quand même le up de Zamazenta qui fait beaucoup plus le café, en tout cas de mon point de vue. Alors d'ailleurs, vu qu'on parle de Zamazenta, parlons justement de son up. Au niveau du up de Zamazenta, alors déjà avec l'arrivée de son 6 étoilex, je l'avais mis dans le tier A+. Voilà, donc au niveau des nouvelles cases qu'il obtient, il obtient un plus 20 en défense physique et en défense spéciale. Donc déjà c'est très bien pour ses statistiques de base, il devient plus tanky. Ensuite il obtient un tourment restaurateur et un réaction traitement pour se soigner une fois par combat des altérations de statut et des tourments. Et aussi quand il arrive à 30% de ses PV maximum ou moins, il va obtenir un premier soin 4 qui va lui rendre environ 40% de ses points de vie maximum. Donc en soi ça lui donne une potion gratuite dès le moment où il tombe à 30% de ses points de vie maximum, c'est très intéressant. Et puis derrière on a une case, alors je suis pas spécialement fan de la case, on a une case réflexe prochain super efficace 4. Donc en gros quand il subit une attaque d'un adversaire, il aura 50% de chance de se donner l'effet prochain super efficace qui va augmenter de 50% la puissance de sa prochaine attaque aux capacités duo si ça tape sur la faiblesse de l'adversaire, donc la faiblesse acier. Mais dans tous les cas et eh bien ça va pas servir dans tous les combats du jeu, car et eh bien il faudra taper sur la faiblesse acier de l'adversaire, et une faiblesse sur 18, sachant qu'un duo soutien on aura tendance à le ramener dans n'importe quelle composition, là où les adversaires auront par exemple différentes faiblesses, et eh bien pas forcément la faiblesse acier, et eh bien c'est pas une case que je trouve si intéressante que ça, même si ça peut très bien servir. En tout cas ça va faciliter le solo de Zamazenta sur la bataille légendaire de Régirock qui est faible aux attaques de type acier pour la barre de vie numéro 2 et 3. Mais je vais pas vous mentir, j'aurais quand même préféré la possibilité de booster la vitesse de l'équipe. Alors pas forcément la vitesse, mais au moins de donner une accélération de la jauge capacité. Et puis pour le reste, et eh bien c'est ce qu'on avait déjà de base sur le personnage, le récup PC sur les potions, on a aussi les récup PC sur la compétence dresseur, et on a aussi le première capacité duo compteur baisse 1 qui se balade, mais ça c'est aussi une case que j'aime beaucoup prendre. Et pour Nabil et Zamazenta, bon, même si de base j'étais pas trop emballé par ces nouvelles cases, eh bien il devient plus tanky, il peut aussi se soigner gratuitement une fois ses points de vie avec une potion offerte dans son nouveau plateau. Et puis derrière, eh bien si l'adversaire est faible aux attaques de type acier, il peut quand même faire de très bons dégâts, sachant que de base eh bien Nabil et Zamazenta, faut pas sous-estimer les dégâts qu'il peut faire. Donc eh bien pour moi Nabil et Zamazenta, ça va partir en tier S. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai baissé Ludwig et Clamiral, parce que eh bien les deux boostent l'attaque et le critique très facilement. Bon, même si là où Ludwig et Clamiral peut aussi booster la vitesse et apeurer les adversaires et aussi un petit peu baisser la défense, eh bien Nabil et Zamazenta est déjà beaucoup plus tanky. Alors même de base sans booster les stats défensives, il peut aussi se donner une consommation 0 ainsi que le prochain super efficace qu'on a vu. Et pour moi bah, je le trouve plus intéressant que Ludwig et Clamiral, en tout cas aujourd'hui depuis ces nouvelles cases de plateau, même si je conseillerais de jouer Ludwig et Clamiral si en plus d'avoir besoin d'attaque et de critique on aurait besoin de vitesse dans la composition, parce que la vitesse c'est pas Nabil et Zamazenta qui va l'apporter. Passons ensuite aux cases duo festival de Shamal et Minotaur. Et ces cases duo festival, eh bien on va les résumer très simplement, la case de debuff en attaque dès que le sable est posé en 4 sur 5. Sinon pour le reste des cases, eh bien c'est pas exceptionnel hein. Même la case qui donne une régénération des points de vie dès qu'on pose la tempête de sable, eh bien au final c'est pas une case si intéressante que ça, car avec l'animation de la tempête de sable, vu qu'on va avoir une animation supplémentaire qui va proc avec la régénération
régénération des points de vie des alliés, et bien au final avec l'animation de la régénération des points de vie aux côtés alliés, et bien on va perdre du temps d'utilisation de la tempête de sable. C'est comme ça que le jeu est codé, j'y peux rien. Et donc si on donne une régénération des points de vie avec la caisse 4 sur 5 de Kishamba les Minotaurs, on profitera moins longtemps de la tempête de sable. Et ça c'est vraiment un truc qui casse les couilles sur le duo, parce que si on n'avait pas eu cette petite contrainte, et bien ça aurait été une case très intéressante. Et puis pour le reste des cases, c'est des cases immunité critique, réflexe jauge 9, et puis derrière immunité baisse défense, immunité baisse défense spéciale. C'est des cases vraiment anecdotiques, et on se souviendra surtout de la case permettant de debuff d'Aran la statistique d'attaque physique de l'adversaire visé quand la tempête de sable est posée. Mais Shamal et Minotaur, même si on peut penser ce qu'on veut de ces cases duo festival, et bien de base il était en SSS, et puis bah ça va pas changer, le duo était déjà excellent de base et il reste excellent, voilà, il solidifie juste sa place. Et puis ensuite passons à Viviane et Arcanin qui a obtenu un 6 étoiles X. Mais comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, en tout cas dans la petite partie de la vidéo analyse d'Arty et Manternel, et bien elle a pas de bonus sur sa capacité duo à part un petit multiplicateur de dégâts dans son kit de base. Sur son plateau il n'y a rien vraiment sur sa capacité duo, donc en soit par l'effet 6 étoiles X que qu'on va avoir la mettant 6 étoiles X, hein, le bonus de détermination qui est doublé, on va pas vraiment avoir de trucs qui vont up le duo en termes d'utilisation. Donc et bien ça va rester dans le tier B-. Et puis c'est tout pour la mise à jour de la tier list utilitaire, majoritairement composée de duos ayant le rôle soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du classement des duos que j'ai pu faire dans cette tier list. Et puis maintenant qu'on a tout fait, on va pouvoir passer à la dernière tier list qui est plus une classification des 6 étoiles, c'est plus intéressant à faire. Nous voici à la dernière tier list entre guillemets qui est plus une classification des 6 étoiles, c'est plus intéressant à faire. Donc nous avons déjà vos duos préférés, jouez en priorité les duos que vous aimez le plus et faites leur 6 étoiles vu que vous les jouez pas mal. Ça sera déjà mieux que par exemple de 6 étoiles un duo comme par exemple Magirev, et que par exemple vous ne jouez jamais, que vous l'avez 6 étoiles juste parce qu'on vous a dit qu'il est intéressant à faire. Faites d'abord les 6 étoiles des duos que vous adorez jouer. On a ensuite les 6 étoiles offerts via événement, donc on va aussi retrouver Nabil et Zamazenta qu'on ne va pas replacer car ça ne va rien changer au niveau de sa classification. C'est un 6 étoiles offert via événement. On a aussi les duos soutiens, donc déjà les soutiens qui n'ont aucun effet sur leur capacité duo, les soutiens qui ont un effet via le plateau pour eux-mêmes et là pour l'équipe, et les duos qui ont un effet natif pour eux-mêmes et un effet natif pour l'équipe. Les effets qu'ils vont donner à l'équipe sont plus intéressants que les effets qu'ils vont donner à eux-mêmes, cela va de soi. Passons ensuite aux nouveaux rôles, les rôles accélérateurs et régisseurs. Alors j'ai décidé de les mettre au-delà des rôles tacticiens en termes de classification. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que le 6 étoiles tacticien va surtout augmenter les dégâts de la capacité duo, ça va donner un multiplicateur de 50% de dégâts supplémentaires, donc en soi c'est des dégâts en plus. Le rôle régisseur en 6 étoiles va poser un champ météo ou zone de manière prolongée juste avant de taper avec la capacité duo. Donc en soi on augmente les dégâts du duo régisseur. En plus de ça on va donner une zone champ ou climat qui va durer 50% plus longtemps, donc c'est déjà un peu plus intéressant. Et enfin on a les rôles accélérateurs que je trouve le plus intéressant, bah, juste avec le fait de pouvoir accélérer très rapidement de 3 actions le compteur de la capacité duo avec la première capacité duo d'un duo accélérateur, sachant que ça peut très facilement se combiner avec la première capacité duo compteur base 1 qui peut se trouver en talent surprise ou alors par exemple dans le plateau de futur duo ayant le rôle accélérateur. Et en soi ça permet d'accélérer à fond le gameplay des différents combats du jeu. Donc je trouve qu'au niveau de la capacité duo, c'est un des rôles les plus intéressants car on peut enchaîner très rapidement les différentes capacités duo de notre composition. Après bien sûr ça reste mon avis, vous pouvez très bien trouver par exemple le 6 étoiles des duos tacticiens plus intéressant. Après moi je juge cela au niveau de ce que les capacités duo peuvent apporter à l'équipe vis-à-vis des duos tacticiens et aussi attaquants. J'ai rehaussé les duos étant de type spectre, en tout cas ayant une capacité duo tapant sur le type spectre, car maintenant on a Victor et Spectreval posant la zone spectre de manière entièrement free to play, donc ça va donner un multiplicateur supplémentaire aux duos ayant le type spectre. Commençons directement avec les duos à placer. Alors au niveau tout d'abord de Terrak et Lancerien, alors nous avons déjà le multiplicateur de base qui se base sur les statistiques BCD adversaires, donc on a déjà un multiplicateur très intéressant. On a aussi un multiplicateur en fonction de ses hausses d'attaque de 50%. On a un multiplicateur de 50% de puissance si on brûle l'adversaire, et il peut aussi te donner un prochain super efficace quand on va attaquer un adversaire brûlé. Donc au final au niveau des multiplicateurs sur Terrak et Lancerien, on arrive à environ 742%. Vu que c'est un duo tacticien, eh bien ça va partir juste ici dans bonne capacité duo, 600% de dégâts ou plus. Ensuite nous avons Nabil et Zamazenta, mais comme je l'ai abordé en début de cette partie, vu que c'est un duo offert via événement, on va pas en reparler. Nous avons ensuite Gloria et Pyrobut, et au niveau de Gloria et Pyrobut, je vais compter les multiplicateurs de son type feu, car de base dans son kit
sur le type feu, eh bien il a déjà un multiplicateur de 50% sur sa capacité duo. En plus de ça, il va plus profiter du type feu car il y a aussi le soleil qui est totalement accessible. Donc on va compter la capacité duo de Gloria Pyrobut sur le type feu. Donc pour Gloria Pyrobut sur le type feu, on a le multiplicateur de base sur sa capacité duo, on a aussi le multiplicateur de 50% de puissance sur son kit de base, on a aussi l'attaque up puissance capacité duo up dans son plateau. Il peut aussi te donner un prochain super efficace. Il a aussi le soleil et la baisse de résilience feu de niveau 3 car il peut baisser de 2 rangs la résilience feu. Mais on peut aussi le jouer avec Chazemon Tracite qui va baisser d'un 3ème rang la résilience feu des adversaires. Mais dans tous les cas, que l'on compte la résilience feu de 2 rangs ou de 3 rangs à l'adversaire, ça va pas tant changer le classement du duo. Et donc dès qu'on compte tous ces multiplicateurs et même que l'on compte la résilience feu 2 ou 3 de l'adversaire qui est baissé, eh bien on va arriver à la capacité duo légendaire 2000% et plus sur Gloria et Pyrobut. C'est tout simplement excellentissime au niveau des multiplicateurs de ce duo sur le type feu. Bien évidemment, la capacité duo sera moins intéressante au niveau du type vol et du type combat. Ensuite, nous avons tout simplement eh bien Kalem et Fennec. Donc au niveau de Kalem et Fennec, on a déjà un brûlure 5 sur la puissance de la capacité duo. On a un multiplicateur de 30% de dégâts sur ses attaques et sa capacité duo si l'adversaire est confus. On a le soleil et la baisse de résilience feu 2. Donc on obtient un multiplicateur d'environ 438% de puissance. Donc Kalem et Fennec, eh bien ça part ici en duo attaquant avec bonne capacité duo, 400% de multiplicateur et plus. Nous avons ensuite Astera et Cryptero, et au niveau de ces multiplicateurs, on a déjà le multiplicateur de base en fonction du nombre de ses statistiques augmentées. Nous avons ensuite le multiplicateur sur ses hausses de statistiques de défense spéciale, le capacité duo ultra efficace 5, le prochain super efficace qu'il peut se donner avec pouvoir antique, et aussi le champ psychique, car étant un duo de type psy, on peut poser le champ psychique avec Bianca et Mushana, qui est un duo scout obtenable dans tous les portails du jeu. Donc en tant que duo tacticien, on obtient un multiplicateur d'environ 1485 de puissance. Donc on arrive ici dans excellente capacité duo, 1000% et plus, voilà, ça va juste ici. Ensuite, nous avons Dracena et Kravaresh, duo tacticien lui aussi. Donc on a le multiplicateur de base sur l'empoisonnement, on a un capacité duo empoisonnement 5 sur l'adversaire, et il peut aussi se donner un prochain super efficace avec sa compétence dresseur. Donc au niveau des multiplicateurs de la capacité duo, on arrive à environ 450% de puissance. Donc au niveau des duos tacticiens, eh bien ça va arriver ici, donc capacité duo correct, 400% et plus. Et ensuite nous avons Menzi et Pomarmotte. Alors Menzi et Pomarmotte, on va pas s'embêter longtemps, c'est un duo accélérateur, donc ça part tout simplement dans accélérateur. Pour l'instant, les duos accélérateurs et régisseurs vont rester avec cette classification car étant seul pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tiers avec lesquels on peut les différencier. Ensuite on a Victor et Spectreval, et eh bien la même chose, on va le prendre et on va le mettre dans le tiers les régisseurs. On a aussi Chamal et Minotaure dont on ne va pas parler car ses cases duo festival n'apportent aucun bonus sur sa capacité duo, donc il ne va pas changer de tiers. Ensuite nous avons Viviane Arcanin qui obtient 6 étoiles, mais sur son plateau elle n'a aucun effet bonus, donc ça va rester en soutien sans effet sur la capacité duo. Donc faites sans 6 étoiles vraiment si vous aimez le duo ou s'il peut vous être utile dans certains modes de jeu. Et puis enfin nous avons Artie et Manternel, et le duo n'obtient aucun multiplicateur sur sa capacité duo, donc il n'y a pas de changement là dessus ça va rester en capacité duo correct juste ici. Voilà, il était sorti entre Manternel et Gros Drive. Et puis on a fini avec la tier list slash classification des 6 étoiles, c'est plus intéressant à faire de mon point de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette classification. Et aussi pour finir, n'oubliez pas, nous avons l'Eggman Compendium de Zinfogel qui sert de tier list des œufs. Voilà, vu que le personnage est beaucoup plus calé que moi sur les duos œufs du jeu, eh bien je préfère vous rediriger comme toujours vers ça, tier list, sachant que malgré que ce soit en anglais, c'est extrêmement bien détaillé et chaque classement est très bien expliqué dans le Google Doc de l'Eggman Compendium de Zinfogel. Donc je vous invite à aller le visiter si vous êtes intéressé pour savoir quels sont les œufs les plus intéressants, sachant qu'actuellement il y a une aventure légendaire. Ça peut vous être très utile de jouer certains duos œufs pour faire beaucoup plus de victoires possibles. Et puis c'est tout pour la vidéo mise à jour des tierlists juste avant le 4ème anniversaire du jeu. Donc on va repasser rapidement sur les différentes tierlists. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du classement de la tierlist des duos dégâts par action, des duos ayant le rôle, en tout cas la classification hybride, des duos ayant la classification utilitaire, et aussi des duos, en tout cas la classification des 6 étoiles, c'est plus intéressant à faire. En tout cas de mon point de vue, c'est tout pour la vidéo mise à jour des tierlists pour le mois d'août 2023, en tout cas juste avant le 4ème anniversaire du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si par exemple vous avez des avis divergents du mien sur certains duos. Après comme toujours, à un tiers près on est sensiblement d'accord sur la puissance relative du dit duo. Bien sûr j'attends quand même que les commentaires soient détaillés. Si c'est juste pour dire monte tel perso ou baisse tel perso, bah je vais pas trop en prendre compte parce que ce n'est pas si pertinent que ça de ne pas apporter d'arguments et juste de dire bah voilà,
monte ça ou monte ci, et puis descends cela, parce qu'en soi, bah, il n'y a pas vraiment d'argumentaire dedans. Bref, ça reste mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord FCGE. N'hésitez pas aussi à rejoindre dans la description le lien vers ma chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous embrasse tous et à la prochaine. Ciao.